original dans cette comédie, c'est justement la confrontation entre les Corses et les Francis. Ton ami, il est Corse. Mais bien sûr qu'il est Corse. C'est le plus Corse de tous les Corses de la Seine-Saint-Denis. Entre nous, on l'appelle le Napoléon du 9-3, alors. L'expression Francis part d'une bande de potes avec qui on était surfeurs quand on était jeunes à Ajaccio. Et c'était une dénomination pour dire les Français, pour pas être péjoratif. Bande de petits enfoirés de Parisiens de merde. Et on préférait plutôt dire que Gaulois, ou Français, ou Pinsoudach, ou Pinsoud, on préférait dire les Francis. Ta gueule, Francis, ferme ta gueule! Attendez, je m'appelle pas Francis, moi. Quand on a des plans en bagnole, Pierre-Marie pète, parce qu'il trouve ça drôle. Moi, je trouve que c'est une blague de merde, en plus ça pue, et du coup, ça me déconcentre. Ouais. Les acteurs sont vraiment bons. Hey, cherche-les! Hey, cherche-les! Chope-les-moi! Chope-moi ça là! Thierry Neuvik, c'est un monstre, hein, c'est... Je le vois quand il se prépare, qu'il doit se vénérer, alors que juste avant, je lui ai sorti une blague et qu'il était mort de rire. Thierry, c'est ça, c'est... Tu recommences, je te jette à la rivière. Oh, tout mec, tu vas pas les tuer, merde. C'est du gros sel, au fou que tu es. Ah, moi, j'ai un grand souvenir, c'est la scène finale où il y a des nuages et on se dit, mon Dieu, on n'arrivera pas à la rentrée. Et à 18h, il n'y avait plus un seul nuage. Au moment où on a eu besoin qu'il n'y ait plus un seul nuage. Je me suis dit, merci, quoi. Les dieux du cinéma sont avec nous et peut-être même qu'ils sont corses, quoi.